Ta boîte, ça n'a rien à branler. C'est chez moi ici. Salut les amis, c'est Marcus Dia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse, plus précisément pour la partie 2 du premier épisode intitulé Booba versus Rof, haine et jalousie. Dans ce premier épisode, j'avais donné mon point de vue à travers des arguments, comme quoi je considérais qu'il y avait une forme de jalousie de la part de Rof envers Booba. Et j'avais fait une forme de psychanalyse à partir du morceau « Wesh Zoulette ». Aujourd'hui, on va s'intéresser au côté haine. Comme l'expression le dit, un train peut en cacher un autre, un épisode de Marcus Dia peut en cacher un autre. À travers une analyse concernant le morceau « Wesh Zoulette » comme dans le premier épisode, je vais vous montrer pourquoi peut-être que Rof s'est senti attaqué par rapport au morceau de Booba qui s'intitule « Wesh Moray ». Souvenez-vous, dans le premier épisode, je vous avais montré et j'avais également donné une interview, partagé une interview de Booba qui expliquait que ce morceau avait été enregistré bien avant le passage de Rof chez Skyrock, où justement Rof avait décidé d'attaquer frontalement Booba. Et bien entendu, ça a amené ce clash qui durait depuis plusieurs années dans une autre dimension. Et dans ce premier épisode, comme je vous l'avais expliqué, à travers Wesh Zoulette, on pouvait voir une certaine frustration de la part de Rof. Mais au-delà de tout ça, on peut se demander si Rof n'est pas rentré dans une forme de paranoïa par rapport au titre Wesh Moray, qui aurait réveillé chez lui de mauvais souvenirs. Et vous allez comprendre pourquoi. Dans un premier temps, avant d'attaquer, je tiens à remercier toutes ces personnes qui me soutiennent. Grosse force à vous tous. Une fois de plus, je vais vous demander de soutenir en partageant cette vidéo, en la likant en masse et de vous donner vos points de vue à travers les commentaires pour augmenter le référencement. Les amis, on attaque ça tout de suite. Wesh Moray, une expression qui est fréquemment utilisée par la communauté gitane. Mais vous allez comprendre pourquoi je m'attarde sur le titre de ce morceau. Et tout simplement, pour pouvoir mieux comprendre cette vidéo, je vais vous demander d'écouter avec attention et précision cette interview de Rof qui lui donne son point de vue sur le titre du morceau de Booba. Et nous allons commencer à rentrer dans le vif du sujet. Rof, c'était une interview vérité, vraiment prenante, poignante. Husni, ça va, tranquille, toujours? Ça va, Abdullah, toujours. Alors, je vais terminer mon interview juste par une question. Si je te dis, wesh, moi, développe. Bah, je dirais wesh Moray, c'est un mot déjà de gitan que mon amigo Nordine Nasri, la rahmouta son âme, je le dédicace dans Regretter. Nordo, c'est un grand monsieur de Nanterre, mis sur l'île de France pour son courage. Et il employait souvent ce mot-là en 98-2000, tu vois. Et quand j'ai entendu l'autre Zoulette le prononcer, j'étais un peu étonné. Et quand j'ai entendu l'autre Zoulette le prononcer, j'étais un peu étonné. Qui est ce Nordine Nasri, proche de Rof, qui utilisait cette expression? Donc dans cette interview, vous avez pu voir que Rof explique que lui-même a été choqué d'entendre Booba utiliser cette expression, car son ami Nordine Nasri l'utilisait également. Et vous allez comprendre que Nordine Nasri également fréquentait des clans de gitans qui étaient également dans le grand banditisme. Mais on va s'arrêter sur Nordine Nasri. Nordine Nasri, c'est une figure du grand banditisme, alias Nordine Le Barge, alias Nordo. Et il faut savoir que Rof ne l'a pas dédicacé simplement dans Regretter, il l'a également dédicacé dans son album La Vie Avant la Mort, qui était sorti le 24 septembre 2001. Et dans un morceau qui s'intitulait « Parfois des fois », il fait une dédicace à Nordo. Des fois, je vais au billard avec une bombe au cinéma, je vais tirer au stand avec Nordo et Kima. Des fois, je vais au billard avec une bombe au cinéma, je vais tirer au stand avec Nordo et Kima. La légende
et j'utilise le terme légende pour parler au conditionnel, car seuls les protagonistes connaissent la vérité. Mais la légende à Nanterre, d'ailleurs je vais ouvrir des parenthèses pour faire une grosse dédicace à Nanterre, Pablo Picasso et au frérot 2S, frérot tu te reconnaîtras, je ferme les parenthèses et reviens à la légende. La légende à Nanterre explique comme quoi Rof était protégé par Nordine Nasri par rapport à du racketage. Bien entendu, comme je vous le dis, c'est une légende. Pour d'autres, c'est une vérité à Nanterre. Pour d'autres, ce sont des anecdotes. Maintenant, on va s'intéresser à Nordine Nasri. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Nordine Nasri, alias Nordine Le Barge, alias Nordo, va être abattu dans Paris 8e à 2h du matin. Là, jusque-là, vous me suivez. Et ce qui va se passer, et c'est pour ça que je repars dans cette légende et ces anecdotes qui vont sortir de la bouche de plusieurs personnes du milieu du rap game, et c'est une histoire qui jusqu'à aujourd'hui persiste à Nanterre, ça va causer des problèmes à Rof. Pourquoi, vous allez comprendre par la suite. Une fois de plus, je tiens à préciser que tout ce que je suis en train de raconter n'est pas forcément une vérité absolue. Ce sont des histoires que peu de gens connaissent, à part quelques personnes dans le milieu du rap game, et surtout par rapport à des gens qui habitent dans le quartier où Nono Le Barge vivait. Et donc forcément, ces histoires sont toujours ressorties. Et je vais vous expliquer pourquoi je dis que selon les rumeurs et selon ces anecdotes, on va dire même la légende autour de Rof et de Nordine Nasri, le problème viendrait, et là bien entendu, je vous le redis encore, le problème viendrait d'un morceau que Rof a sorti sur son album « La fierté des nôtres » qui est sorti le 21 juin 2004. Ce morceau s'intitule « La vie continue ». Et dans ce morceau « La vie continue », Rof relate une histoire qui ressemble à celle de Nordine Nasri. Fait étrange, c'est que Rof sort cet album en 2004, Nordine Nasri est mort en 2003, et il ne fera aucune dédicace à Nordine Nasri dans cet album. Mais par contre, la particularité de ce morceau « La vie continue », et ce qui est assez étrange, c'est que le morceau relate la vie de Nordine Nasri et exactement comment il est mort, ce qui est assez incroyable. Et ce morceau va être mal perçu et mal pris par l'entourage de Nordine Nasri, et notamment le clan Ormec, les Gitans, qui font partie du grand banditisme et qui étaient proches de Nordine Nasri. Donc comme je vous disais, la particularité de cet album, c'est que Rof n'a pas du tout rendu hommage à Nordine Nasri. Mais ce morceau, qui est étrange, relate la vie de Nordine Nasri. Quelqu'un qui a eu le même parcours que Nordine Nasri. On peut voir par exemple, tout au long de ce morceau, qu'il raconte la vie de Nordine Nasri. C'est limite une biographie de Nordine Nasri. Il précise bien, à peine 16 ans, tu joues dans la cour des grands. Là, je vous prends quelques passages et vous pouvez voir, par exemple, dans cet article qui raconte la vie de Nordine Nasri. À la même époque, ayant basculé dans la délinquance, il fit connaissance avec le milieu de la drogue. D'abord comme guetteur, puis comme petit vendeur de banlieue. À l'âge de 15 ans, il tira une balle dans la jambe d'un client, mécontent de la drogue fournie et venu lui réclamer ses 300 francs. Cet acte lui a valu la première d'une longue série d'incarcérations au centre des jeunes détenus de Fleury-Mérogis. En ce morceau, Rof est très critique envers cette personne dont il raconte l'histoire. Tu respectais plus rien, tu parlais mal, gratuitement. En marchant avec toi, on risquait sa vie fortuitement. Le système t'a électrocuté, te croyant le plus futé, trop buté. On pressentait que tu allais te faire buter. Ton décès fera le bonheur de certains, pas trop bon d'être craint. Se faire des ennemis, on sait jamais d'où ça vient. Sur le chemin de la perdition, t'es tombé sur plus fou que toi. Derrière toi, 1143 pointé vers toi. Retenez bien le 1143. Tu l'as pas vu débouler, une balle t'a traversé le cou. Ton sang ne cesse de couler. Tu utilises ton dernier souffle pour te relever. Tu fais quelques pas, tu rechutes. Je te sens éprouvé. Tu luttes, tu vis ta dernière minute sous convulsion. T'agonises avant l'extinction de ton cœur. On se dit forcément, quand toi t'as déjà perdu un pote de la même manière, tu ne peux pas relater ce genre de fait. Et donc c'est pour ça que je vous dis que ce texte va être très mal interprété et très mal pris par rapport à l'entourage de Nordine Nasri. Tu n'as pas fait des boulets,
l'humain t'a traversé le cou, tu t'es écroulé. Tu meurs pas sur le coup, ton sang ne cesse de couler. Tu utilises ton dernier souffle pour te relever. Tu fais quelques mois, tu rechutes, te sens éprouvé. Tu lutes, tu vis ta dernière minute sous convulsion. T'agonises avant l'extase sous ton cœur. Sous l'emprise de la frayeur, tu réalises en flash, revisionne tes péchés. Sans rencontrer tellement attaché à cette vie, d'essayer d'accrocher. D'empêcher ton âme, c'est vaincu ton corps. Avec un paquet trop mort, ça y est, t'es mort. T'as ignoré le dîme, tu n'étais pas sage. T'as tout misé dans ce bas monde alors tu n'étais que passage. La droite t'a nourri, la chance ça t'a pourri. Maintenant t'es seul, pour ça la seule, le chétan sourit. Après ton deuil, prends les mêmes morts, recommence. On revient sur cet article du Parisien qui raconte les circonstances de la mort de Nordine Nasri. Il faut savoir que Nordine Nasri avait déjà échappé à une tentative de meurtre, car il était vraiment wanted. Donc le 25 juillet, Nordine Nasri avait échappé miraculeusement à une tentative de meurtre, avenue de la Grande Armée. Ce soir d'été, touché par 7 projectiles de 11.43, ça vous fait penser à quoi? Pas trop bon d'être crasse, faire des ennemis, on sait jamais d'où ça vient. Sur le chemin de la perdition, t'es tombé sur plus fou que toi. Derrière toi, 11.43, toi, réveille toi. Tu n'as pas fait débrouler. Va t'en traverser le cou, tu t'es écroulé. Tu meurs pas sur le coup, ton sang ne cesse de couler. Tu utilises ton dernier souffle pour te relever. Tu fais quelques pas, tu rechutes, te sens éprouvé. Donc en plus, ce morceau relate des faits qui sont étrangement ressemblants à la vie de Nordine Nasri, alias Nordine Le Barge, alias Nordo. Mais ce qui est assez troublant, c'est que en plus d'être critique, Rof s'adresse à la personne, à la première personne. Je te sens éprouvé. Tu luttes. Tu vis ta dernière minute sous convulsion. T'agonises avant l'extinction de ton cœur. Sous l'emprise de la frayeur, tu réalises en flash, revisionne tes péchés. Sois repenti, tellement attaché à cette vie, t'essaies de te raccrocher. De t'accrocher, empêcher ton âme de s'évacuer de ton corps. Avec un paquet de remords, ça y est, t'es mort. T'as ignoré le djinn, tu n'étais pas un sage. T'as tout misé dans ce bas monde, alors que tu n'étais que de passage. La drogue t'a nourri, l'argent sale t'a pourri. Maintenant t'es seul dans un linceul et le chétan sourit. Après ton deuil, on prend les mêmes, on recommence. La vie continue, toujours la même chanson, donc toujours la même danse. Et donc il faut savoir également que le meurtrier de Nordine Nasri n'a jamais été retrouvé. Mais le clan de Nordine Nasri était derrière les barreaux, donc ils n'ont pas pu agir forcément. Et selon, encore une fois de plus, les témoignages, les histoires qui ont été racontées autour de cette chanson et de toute cette histoire autour de Rof et de Nordine Nasri, et bien entendu, je vous le dis, prenez ça avec des pincettes, car pour moi, c'est une légende. Pour d'autres, c'est une vérité authentique. Pour ceux qui la racontent, c'est une vérité officielle. Donc moi, je pars sur le délire de légende. Et donc, les proches de Nordine Nasri ne vont pas l'accepter. Parce qu'il faut savoir également que des rumeurs disent qu'avant que Nordine Nasri soit proche de Rof, lui-même était impliqué dans des rackets sur Rof avec d'autres personnes et que par la suite, il a assuré la défense de Rof. Il faut savoir qu'il a également investi dans des studios où certains membres de la mafia Kinfri sont partis chanter. Bon, c'est assez sombre, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y avait également Hood Lion, pas son âme, qui avait également une part dans ce studio, qui lui-même a été assassiné étrangement. Bref, ça nécessiterait une autre vidéo et j'ai pas forcément envie de parler de ce genre de sujet. Mais c'est pour vous dire que cette chanson va être très mal prise, va être mal acceptée. Des membres, des proches, justement, de Nordine Nasri vont voir rouge quand ils vont entendre ce morceau. Je vous disais que peut-être dans cette théorie autour de la rage de Rof, si vraiment cette histoire est véridique, on peut comprendre qu'il ait mal perçu le titre Wesh Moray, qui lui aurait rappelé de mauvais souvenirs. Lui-même l'a dit, c'est Nordine Nasri qui utilisait cette expression Wesh Moray. Et donc on peut se souvenir d'un fait assez troublant où justement cette rumeur a commencé à fuiter, ou du moins cette histoire a commencé à tourner un peu partout, puisqu'on va apprendre par la suite, même si on ne sait pas, puisque Rof a toujours démenti ses accusations de racket, comme quoi on lui avait pris son Cayenne. Les histoires au niveau de Nanterre, c'est que des proches de Nordine Nasri sont venus séquestrer Rof, il y aurait eu du racket, il aurait reçu des coups, et là bien entendu, ça c'est encore des informations à prendre avec des pincettes, je ne fais que relater les faits comme ils sont racontés à Nanterre. Et donc par la suite, logiquement, ces gens-là étaient venus carrément pour effacer Rof.
et vous allez voir justement le but du morceau regretter. Donc écoutez bien, concentrez-vous, retenez bien les passages qu'il y avait dans ce morceau, la vie continue, et vous allez voir ensuite ce que Rof va dire dans regretter. Et donc, pour rappeler les faits, souvenez-vous, d'ailleurs, il y avait eu cette polémique par rapport à un DVD qui était sorti qui s'appelle Menace sur la planète rap, où Joe Dalton, sans faire exprès, avait été enregistré à son insu, parce que c'est ce qu'il a expliqué, où il expliquait justement cette affaire comme quoi Rof s'était fait racketter son Cayenne. Et d'ailleurs, Rof lui avait répondu dans une vidéo sur Bouscapé, comme quoi il n'avait jamais été racketté et qu'on lui avait jamais pris son Cayenne. Souvenez-vous des faits, je vous les mets. Ils prennent pour des PD, ils s'inventent des vies, ils s'inventent des couilles, ils font de la diffamation, ils inventent des histoires, ils se les font tourner entre eux, ils y croient dur comme fer. Ils ont vraiment l'impression que ça existe. Je vais dire un truc, moi je suis un musulman et moi il n'y a personne qui me rackette. Parce que nous les musulmans, avant de mourir, on shahed. On dit ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Ça veut dire je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Mohammed est son messager. À partir du moment où t'as dit ça, t'as peur de personne. Donc il n'y a personne qui prendra de l'argent à ROH2F. Bon, ça coûte très très cher chez nous. Les mensonges, ouais Rof il est mort, Rof on lui a pris son Cayenne, fils de pute, je l'ai bicra 65 000 E. Ouais, ça décote comme je l'ai dit. Tu veux me boycotter par les mensonges? Parce que c'est la seule manière de nous faire perdre le respect. C'est par les mensonges. Tu vois, fils de pute. Même dire, même ils étaient là, t'étais là, tes fesses. D'accord? Et est-ce qu'il paraît, on m'a pris mon Cayenne, est-ce qu'il paraît, j'en ai racheté un autre. Avec les mêmes plaques et la même rayure. Aujourd'hui, par rapport à cette tentation du diable, par rapport aux insultes qu'il y a eu, parce que pour moi c'est une tentation, tu vois, à la veille d'un devoir de mémoire, à côté de ça il y a une tentation, parce que je me suis peut-être un peu emporté dans un DVD en parlant de Rof, d'accord. Mais bon, ces informations-là, tu marches de café en café, de rue en rue, hein, les gens ils parlent que de ça. Bon, mon malheur c'est que ça a été filmé, et au montage les gens ils l'ont laissé. Et voilà pourquoi ça me vaut d'éterrer et de violenter ma mère. Le 28 novembre 2005 sort l'album Au-delà de mes limites. Et dans cet album, il y a un morceau classique de Rof qui s'appelle Regretter. Et dans ce morceau Regretter, Rof rend hommage à plusieurs personnes qui sont parties. Et notamment à Nordine Nasri. Et vous allez faire la comparaison avec le morceau La vie continue, où il critique quelqu'un qui est mort et qui était dans le banditisme. Et là, vous allez voir qu'il va rendre hommage à Nordine Nasri. Écoutez l'hommage qu'il va rendre à Nordine Nasri. Parce que également, selon les rumeurs et selon les histoires, les légendes de Nanterre, on lui a imposé de se racheter à travers un morceau. Et ce morceau serait regretté. Et vous allez voir que là, étrangement, les propos qu'il a pu tenir dans ce morceau, La vie continue, où il est très dur envers cette personne qui a la même histoire que Nordine Nasri, qui était dans le banditisme, qui était dans le trafic de drogue. Et bien là, Rof va rendre hommage à Nordine Nasri, qui a également le même parcours, mais là, l'image va être totalement embellie. T'étais prêt à tout pour moi au point de cartonner en bécane, en venant bouger pour moi en rap, t'écoutais que moi, j'ai pas vu ta Mifa, que Dieu les protège, je suis dégoûté de moi. Que Dieu me pardonne, subhanallah. À quel point les épreuves peuvent affaiblir un homme. C'est fou ce que je regrette, mais sur le Coran de la Mecque que j'étais là sans y être. Mais c'est Dieu qui veut. Parler de toi me fait rougir les yeux. Toujours une doa pour ton âme. J'espère te revoir dans les cieux. T'étais un grand monsieur, respecté même par la police, courageux, beau gosse comme ton fils. Malgré le train de vie, tu leur amenais faire du poney. Si on refusait pas, t'allais toujours tout lui donner. Tu savais pas lire, mais avec toi, on apprenait. Un mec fiable, juste un regard, on se comprenait. Toujours le sang-froid, jamais froid aux yeux, habile, au tête à queue, aux roues arrière, même à deux, du 9-4 au 9-2. 9-2, Nanterre. Ce passage, on peut observer qu'il est en totale opposition avec son morceau La vie continue, où il était très critique envers un mort, mais également quand il disait dans ce passage. Regardez bien de regretter. Il dit, je m'en bats les douilles qu'il était dangereux de marcher avec toi à cause des embrouilles. On n'insulte pas un mort, qu'il soit bon ou mauvais. Alors que dans le morceau La vie continue, cette personne qui avait étrangement la même vie que Nordine Nasri, Nordo, est critiquée par Rof. Bien entendu, on ne dit pas que c'est Nordine Nasri. Mais selon les explications des proches des gens de Nanterre,
ce morceau était en train de décrire l'histoire de Nordine Nasri et que Rof n'était pas respectueux envers la mort de Nordine Nasri. C'est ce qui tourne actuellement jusqu'à aujourd'hui à Nanterre. Et donc là, vous avez vu la particularité, comment il se met en opposition, puisque soi-disant, ce morceau lui a été imposé, le morceau regretté qu'il est obligé de le faire pour rétablir l'honneur de Nordine Nasri et lui rendre un vrai hommage. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il fait cet hommage dans l'album qui suit, après avoir fait justement ce morceau, La vie continue, où il est très critique. Et donc là, je le redis encore, je m'en bats les douilles qu'il était dangereux de marcher avec toi à cause des embrouilles. La version dans La vie continue qui est totalement en opposition avec le morceau regretté. Écoutez. Je respectais plus rien, tu parlais mal gratuitement. Moi, marchant avec toi, on risquait sa vie fortuitement. Et sur le passage, je m'en bats les douilles qu'il était dangereux de marcher avec toi à cause des embrouilles. On n'insulte pas un mort, qu'il soit bon ou mauvais. Étrangement, c'est ce qu'il a fait dans le morceau La vie continue. Et dans Regretter, il tient à préciser, comme s'il présentait des excuses, en disant on n'insulte pas un mort, qu'il soit bon ou mauvais, dans mon camp ou dans le tien, qu'il repose en paix. Là où ils sont, ils pensent plus à la vie, et s'ils pouvaient revenir, ce serait pour gagner leur place au paradis. On s'entrefume, mais c'est le système qui nous met à dos. Je rends hommage au Nambo comme Arafat ou Nordo. Vous avez entendu? Donc là, on voit clairement que il est carrément en opposition avec ce morceau La vie continue, qui était cet album qui est sorti à peu près un an après la mort de Nordine Nasri. Et donc là, on peut voir qu'il a attendu de sortir ce prochain album, où il avait été justement très critique dans l'album d'avant, envers une personne qui avait la vie de Nordine Nasri. Et là, étrangement, il précise bien qu'on ne peut pas insulter un mort, qu'il soit bon ou mauvais, dans mon camp ou dans le tien, qu'il repose en paix. Voilà. On n'insulte pas un mort qui soit bon ou mauvais. Dans mon camp, dans le tien, qui repose en paix. Là où ils sont, ils pensent plus à la vie. Et s'ils pouvaient revenir, c'est pour gagner leur place au paradis. On s'en confie, mais c'est le système qui nous met à dos. Je rends hommage au plein pot comme à la fois tout Nordo. Vous voyez, c'est là la contradiction. Parce que entre les deux albums, il y a un album où il critique les personnes qui ont la vie de Nordine Nasri, ce proche à qui il rend hommage dans Regretter. Et dans Regretter, il présente ces personnes qu'il critique dans cet album La vie avant la mort comme des personnes qui méritent le respect, qui méritent de pouvoir se repentir, etc., etc. Donc là, on voit qu'il est carrément en contradiction avec son message dans son autre album et dans celui-ci. Ce sont deux discours totalement différents. On va continuer également dans la légende. Et la légende dit que quand Kery James est présent dans cet album, c'est tout simplement parce que, et je vous le redis encore, selon la légende, la rumeur, les anecdotes, on nous dit que Kery James s'est battu pour protéger Rof et a négocié pour qu'on ne puisse pas faire de mal à Rof, tout comme on a également impliqué Mista Flo, qui connaissait des personnes de Nanterre, tout comme Kery James, et qu'ils ont négocié avec ces personnes pour qu'on ne puisse pas faire du tort à Rof. Voilà les amis, cette vidéo arrive à sa fin. Le chapitre Booba versus Rof est clôturé. Haine et jalousie. Vous l'aurez compris, comme je l'ai pu le répéter à plusieurs reprises, tout ceci n'est que peut-être des légendes, des fausses rumeurs, donc à prendre avec des pincettes. Je tenais à le préciser, car je n'étais pas là. Vous n'étiez pas là, et ceux qui m'ont raconté l'histoire, même si ce sont des proches, n'ont pas forcément raison. Sur ce, je tiens encore une fois de plus à vous remercier pour tout votre soutien. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à soutenir en partageant cette vidéo. Gros remerciements à toutes ces personnes qui me soutiennent et qui soutiennent la chaîne avec des dons Tipeee. Willy Back, mon frérot, grosse force à toi. Wassila, Samira, Jean-Daniel, V, tu te reconnaîtras, grosse force à toi également. De à l'artiste, merci pour tout, je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. Ciao la famille, peace. Tu vois, vieux frère, j'ai amené plus de soldats que toi.